Hello! Alors, yo les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une petite game de SOS Bronze 5. Alors, on est sur un Dark Kevin XXX du 27. Non, j'ai quand même Dark Kevin du 27XX. Donc, du coup, notre Bronze 5 à nous. Donc, notre Bronze 5 50 LP. Du coup, ça va être une game autour des 50 LP Bronze 5. Je vais y regarder. Je vais vérifier s'il a pas un meilleur MMR ou si peut-être si c'est ses premières games. S'il a moins de 100 games, du coup, bah il a pas convergé vers son vrai Elo. Donc, on va aller regarder ça. Nicolas, merci beaucoup pour ton ton. Bah, je vais voir. Bon, merci beaucoup. Attends, faut que je riche le pseudo. X Dark Kevin. Non, il n'y a qu'un K. Kevin du 27. X. Ok. Voyons voir du coup. Alors, on a d'un côté du coup un Lee Sin. D'accord, jungle. Ça, c'est ballsy quand même. C'est assez dur à jouer. Ok. Alors, un Lee Sin en bronze 5, ça fait un peu peur. Mais ok. Alors, on est en bronze 4. Ah, bah voilà. Bon, il a un meilleur MMR que ce que du coup il peut nous faire croire. Puisque. Ah, oui, d'accord. Bah voilà, il a moins de 100 games. Oh putain, par contre, il a pas des. Bon, il n'a pas les très bonnes stats. Il est sur du 8-33. Malgré tout, il a du coup moins de 100 games. Donc en gros, il a pas convergé vers son vrai Elo. Donc en gros, il a un meilleur MMR que ce qu'il est. Donc il va. Il peut quand même continuer à monter. Parce que là, la preuve, les mecs en reste ils sont bronze 4. Donc il a pas un MMR de bronze 5, il a un MMR de bronze 4. Bon, c'est quand même pas la folie, mais. Oh là 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 là! Et cette agression déjà, ce duel au milieu de tous les sbires! Incroyable! Au niveau 1. Oh là là, il a rien compris à LoL lui. Waouh! Waouh, ce tueur! Alors, on va voir le bot lane. Alors vraiment la top lane c'est incroyable. Alors on a Non. Ah oui d'accord, d'accord. Mundo support. D'accord, ok, pourquoi pas. Donc là on a un Nautilus qui n'a pas du tout pensé à pêcher les minions avec son Targon pour gratter son niveau 2. Non non, on joue à l'arrache. On prend Trap First, pourquoi pas, hein, côté de la Kate. Et donc là ça part en couille. Le Nautilus qui s'est fait défoncer par les minions. Attention, reprise d'aggro, on va marcher dans le trap. Et oui, il le fait. Le trap qu'il a évidemment pour temporiser un Platinus. Le flash heal pour le récupérer. Et on ne pourra pas Zonen qui se laisse pas avoir. Il est déjà tombé contre sa stratégie. Et il n'est pas tombé. Il le sait. Il est malin. Il est rusé. Cette stratégie ne marche pas contre lui. Les pires de cette game, eh bien, il savait. Ouais. Ok, bon, c'est un peu. Ouais, c'est un peu le bordel. Hein. On a le Fiddle qui n'a pas beaucoup gagné. On a le Lee Sin non plus qui n'a pas beaucoup gagné. Ok, alors qui sont les OTP? Qui sont les mecs qui jouent qu'un perso? Notre viewer joue un peu tout. Le Mundo ne joue que Mundo. Ah voilà, voilà, voilà. Il a trouvé son perso. Alors l'agression. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais c'est incroyable. On va regarder cette top lane. Ça a l'air d'être assez incroyable. Et qu'autant que même en bronze. J'avoue, putain, ma vie c'est de la merde. Ça craint. Allez, allez, allez. Il est niveau 1. Il y a tous les sbires. Donc là, je pense que vraiment, s'il y a un truc que t'apprends dans le bronze des IA, je pensais ça. Donc là, vraiment, je sais même pas à quelle heure il s'est dit. Ouais, les gars, on est parti. Le pire, c'est qu'il a Xin. Donc ça va. C'est pas la mort. Ça pourrait être pire. Alors, on est quand même sur un Echo. Echo qui. On va voir s'il va jouer AP ou tank. Je pense que ça sent le Echo tank. Hein. Ça sent le Echo tank. Il s'est trompé d'item, cependant, premier item. Mais. Là, est-ce qu'on sent un peu le venir le Echo Tank? Bon, Echo Tank, c'est quand même. Bon, ça s'est fait une hard nerf, mais ça reste toujours bah, premier win rate top lane, je crois, maintenant, du coup, depuis les nerfs des concurrents, on va dire. Du coup, on verra. Est-ce qu'il est. Oh là là là, le top farming bientôt en jungle hein, sur le Lee Sin. Et donc là, enfin, sur le Xin, pardon. Non, le Xin, non, pardon, le Fiddle Stick, je veux dire, putain, moi, je galère. Flash out de la part, putain, il prend une flash de ouf. Et là-dessus il va TP ou est-ce qu'il va rester, il hésite hein. Il sait pas trop, il est pas rassuré du tout. Notre viewer, attention, donc notre viewer qui mine de rien met une bonne pression avec son Teemo. Il a pas beaucoup de CS mais par contre en termes d'Arras honnêtement c'est pas dégueulasse. Par contre c'est vrai qu'il a un gros problème de la city. Maxez votre E quand c'est comme ça parce que le E fait beaucoup de dégâts pour pouvoir la city. Et en général je pense qu'il va taper trop tôt. Souvent au début quand on commence on tape trop tôt. Alors là il se fait stun. Alors ouais, difficile de... Ah, il agresse au milieu des sbires, il y a quand même beaucoup de minions, du coup c'est délicat. Il va reculer, il a pris son téléport, il a un TP qui a déjà été utilisé. Il a du TP niveau 1 pour aller sur sa lane, probablement vu le timer. Donc d'accord, il a TP pour aller être invisible directement au mid, pourquoi pas à la limite. S'il pense qu'il n'aura pas besoin entre temps, pourquoi pas. Pensez du coup à essayer de slalomer, activer votre Z pour slalomer du coup pour éviter les sorts. Et derrière, bam bam, on met les attaques. Oh là là, ça peut le faire, ça peut le faire clairement. Attention, le flash in, Dark Kevin. Oh, Dark Kevin qui le redote. Magnifique. Kevinou qui le fait plein à l'agression. Notre Dark Kevin qui a fait le taf là-dessus. Il est là, notre Dark Kevin. Et il vient de prendre l'ascendant sur ce brand.
Et ça, ça fait plaisir. Miss Fortune, bot lane, qui s'entend pas trop mal. Oh! 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 Oh my god! Le flash Q-spell de Lee Sin. C'était fou. Et honnêtement. Oh là, par contre, là. Là, par contre, il y en a un qui peut être très déçu. Il y en a un qui va crever, c'est sûr. Et je pense que c'est pas Lee Sin. Attention. Est-ce que Lee Sin a bien joué ou pas? Est-ce qu'il a pensé à la séquence et ses sorts? Eh oui, le fidèle va certainement y passer. Eh oui, il est mort malheureusement, le pauvre Red Shiva 93. Ah, c'est un joueur du 9-3. Il vient de chez nous. C'est un Français, Red Shiva. Malheureusement, il vient de tomber. Il vient de succomber. Goal. Kevin dans la place. En vrai, Kevin, il a pas si mal joué. Hein. Alors, ouah, qu'est-ce qu'il fait? Gonzalaco. Alors, Gonzalaco qui est dans la merde. Alors là, évidemment, l'espoir fait vivre, mais là, c'est terminé. Hein. Moon de porc qui veut essayer de choper quelqu'un, mais non, évidemment. Ah oui, il veut vraiment y aller. Hein. Ah oui, non, ça, c'est pas rentable. Hein. Non, non, non. Parce que là, au milieu du mieux, du mieux, du mieux, il faisait un point. Bon, fallait quand même vraiment que les mecs en fassent une déco. Et encore, 3 déco et que du coup, les mecs TP, mais ne tapent pas. On dot et on vole des points de vie à chaque fois. Hein. Il vole des points de vie, il est sticky. Le Lee Sin n'est pas si dégueulasse, j'avoue. Pour le coup, il a des mauvaises stats, mais... Enfin, je vais pas vous dire qu'il est bon, hein. Mais en vrai, ça va, ça va. Ça aurait pu être bien pire. Le Xin, par exemple, il a l'air d'être... en face, un peu d'approximation. Après, il a pris un perso assez facile à jouer. Oh là, il a pensé à R. Putain de merde. Bon là, pourquoi? Alors... Revivons ce fight. Pourquoi notre ami vient de perdre? Il est niveau 6 contre un niveau 4. Mais comment cela est-ce possible? Eh bien écoutez, la raison est simple. Il a joué DPS. Il aurait dû partir full tank. Et là, il aurait pu gagner contre ce Xing Zhao niveau 4. Incroyable évidemment. Un Xing Zhao qui part sur des items complètement incroyables. Un Zell First. Évidemment, c'est pas bon du tout. Bon, une game incroyable encore une fois. Putain, on enchaîne les games incroyables dans le CS:GO 5. Ça fait plaisir. Tous les mercredis, les amis, venez, n'hésitez pas. Oh là 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 là! Et non, Butthole qui ne passera pas. Et on a le skin évidemment, Dark Kevin qui a mis de l'argent pour avoir son petit skin. Les Mechanics, Xin Mechanics, motherfuckers. Eh oui, le Xin Mechanic. Oh, attention, Dark Kevin, Butthole. Eh oui, le slalom, il est là. Le fiddle, il est pas niveau 6 malheureusement. Il envoie les petits corbeaux. Il max son drain. Ok, il est présent. Il a pris un item bleu. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il a pris le décide? Oh, les petits pense à Q-spell à travers. Ça va, on a les bases, on a les bases. Un Xin de génie. Comme vous dites. Ouh là là. Platonius, là, c'est un peu compliqué. On part sur un Tataki super à 100. Ouais, je pense aussi. Là, je sens une avalanche de kills. Je sens une énorme avalanche de kills. Ça va être marrant, je pense. Les coffres existent. Ouais, ouais. Oui, alors maintenant, dès qu'on va voir quelqu'un casqué, on va dire il l'a eu par les coffres, c'est sûr. Je pense pas. Mais soit. Oh! Oh! Alors là, attention, la Platonius là qui va flash out pendant ce temps-là, l'agression. Regardez, directement ici, on met des bons dégâts et bam, on récupère le kill. C'est pas mal joué. Elle a pas mal joué, honnêtement, la MF. Et là, le kick linké par le Q-spell. Bon, un petit peu délayé, mais honnêtement, mécaniquement parlant, ça pourrait être bien pire. Notre Lee Sin va être peut-être une arme de destruction massive dans les 30 premières minutes. Le problème, c'est qu'en bronze, il y a rarement des games rapides. Oh, il joue full DPS, le Echo. Ah non, on a cru que le Echo allait jouer la facilité. Mais non, adieu, adieu ces items classiques. Adieu ces gants givants, adieu ces Sunfire. Adieu ces visages spi. Bonjour le Morello. Et bonjour le beau jeu, bonjour le skill. En bronze 5, on joue les mécaniques. Et ça fait extrêmement plaisir. Je pense juste qu'il n'est pas au courant de la puissance d'intimidation ce temps qu'il est. Oh là là, Franco Africano qui vient de faire le move. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir en tout cas un Echo AP. C'est la première fois que j'en vois un. Donc c'est triste, mais c'est vrai. Je n'avais vu que des Echo Tank depuis très longtemps. Et ça fait plaisir. Malheureusement, c'est en bronze, mais au moins. Alors oui, on l'a vu dans le tournoi 2v2 No Surrender. Si vous n'êtes pas là sur les 2v2 No Surrender tous les mardis, les amis, vous allez voir. C'est du lourd et n'hésitez pas à venir. Attention, le petit Shroop. Dark Kevin qui slalom, il essaie de mettre un maximum de burst.
Il va prendre le trade. Non. Il manque un auto. Oh non. Non. Oh Dark Kevin. Dark Kevin. Oh oui, il le fait. Oh, il a failli choper le double kill. Mais non, Casimir qui tombe. Butthole qui voulait récupérer le truc. Notre Fizzard qui n'est pas niveau 6 et qui ne sait pas qu'il n'a pas encore l'ultimate. Oh, attendez, allez. Oh, attendez, qu'est-ce qu'il nous fait la Lee Sin? Il hésite. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui, il y va. Oh oui. Magnifique. Oh, je l'ai vu venir à des kilomètres. Incroyable. Attention, le duel. Mundo. Mundo support. Contre Caitlyn. Le 1v1, peut-être. Il l'a fait. Il l'a déjà fait. Contre Zonen. Le petit trap. Il a son heal. Le trap. Évidemment, il reste dessus. C'est important hein, de sécuriser tous les traps pour les... Et non, et malheureusement, Platinus qui se fait à chaque fois avoir par le trap. Putain, c'est un peu comme le pierre du ciseau. À chaque fois, il se fait avoir. Malheureusement, ça ne passera pas. Fiddlestick, ultimate. C'est bon. Le petit flir, on s'approche pas. Malheureusement, on n'est pas à portée. Mais dans l'idée, c'est pas trop dégueulasse. Casimir qui ne l'oublie pas. Il a son air, il peut le faire. Franco-Africano qui va pouvoir choper là-dessus notre ami Xin Zhao qui est parti sur des bots. Ok. Un stuff très très original. Très très original. Après les stuff tanky, les stuff rien du tout. Les stuff on ne sait pas trop. Donc ouais, ok. Bah dans l'idée pourquoi avoir le flash in pour ces matchs de stuff. Mais non, là-dessus notre ami Dark Kevin ne se fera pas prendre. Il se fait pas avoir par ça. Oh, le kill de Lee Sin. Oh là 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 là. Le Lee Sin qui jouait full AD. Et ça c'est cool, au moins il y aura du beau jeu. Honnêtement, il y a plus de beaux jeux en bronze. Les joueurs ont plus de couilles. Ils jouent moins full tank que dans tous les autres Elo. Peut-être parce qu'ils savent pas, malheureusement. Mais du coup, au moins, il y aura du beau jeu. Les deux équipes pourront gagner jusqu'au bout. Parce qu'on joue full DPS de partout. Oh, le Shroom. Oh, le Brain. Dark Kevin qui slalom. Oh, le Dark Kevin, le slalom sur le côté. Le Strafe pour ne pas se prendre le retour. Et il part sur un Teemo AD. D'accord. Effectivement, Teemo AD, pourquoi pas. Pourquoi pas? C'est plus rare, mais oula, attention avec un hein. Fiddlestick, c'est pas la folie sans l'ultimate. Le Fear, il voulait brave, mais non. Le Piltover qui va, bah, it's over, apologize, baby. Et là, on prend d'énormes dégâts. Tac. Bon, c'est compliqué, les gars, c'est compliqué. Casimir peut-être, non, Casimir qui ne l'aura pas la bombe. Oula, Dark Kevin qui est très 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 bolzy. Là on est sur des maxi couilles. Ah bah là d'ailleurs il va les perdre très vite. Non, il vient de tomber. Attention, le Xin Zhao toujours prêt hein, avec son oh bien joué. L'ultimate, le reverse ultimate qui passe du coup absolument pas. Il a pensé à ulti quand le joueur n'était pas là, histoire d'être sûr. Et bien joué le Lee Sin qui n'a pas mal joué pour le coup. Parce que derrière on revient, on met le kick et on met des bons dégâts. Le Echo qui va malheureusement tomber. Attention le duel, attention le Gromp contre le Lee Sin. Et il le fait. De Lee Sin qui va être honnêtement une arme de destruction massive. Oh, c'est douloureux. C'est douloureux. Liandry incoming côté de ce Brand. Et c'est un item intéressant. Si jamais il pense à faire le Riley, il va faire énormément de dégâts. Par contre, maillet gelé sur Teemo, c'est pas si dégueulasse. Donc honnêtement, pourquoi pas. J'ai envie de dire pourquoi pas. La police 7ème. Bah, j'avoue, à chaque changement de caméra, un kill. 10 minutes de jeu, 25 kills, hein. 2,5 kills par seconde. Enfin, par minute, pardon. Parce que par seconde, ce serait quand même vraiment rapide. Et oui. Honnêtement, cette game va nous faire rêver, je pense. Cette game va nous faire plaisir. Oh, Platinus qui évite le trap. Mais mon dieu, mais est-ce que c'est un bug? Attention, le Lee Sin là-dessus. Il veut récupérer le dragon. Et non, c'est Teemo qui l'a. What the fuck. Oh, mec, à quelle heure? D'accord, donc c'est Teemo qui récupère le dragon. Alors ça j'ai pas compris j'avoue mais... Oh l'ultimate. Pas mal joué, Zonen qui ne craint pas. Après les Shonen, les Zonen. Attention l'ultimate, Casimir. Oh, la machette, on lui fait pas à notre ami Mundo. Et il prend le trap encore une fois. Platinus qui a réussi à éviter un seul trap. C'était celui-ci, vous l'avez vu tout à l'heure. Depuis, il s'est dit qu'il va se ranger. Il se résout à prendre tous les traps, c'est promis. Attention, le flash in. Oh, Gorgonzola qui va pas survivre. Le grab. Oh, le move. C'est le move. Ah non, oh non, je suis deg. Oh, il a niqué la game. Oh là là, oh là là. Oh, Mundo. Mundo, le super Mundo. Allez, son stuff extrêmement
Oh what the fuck. Non. 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 Oh non. Oh non. Oh mon dieu. Oh le bait de la FK. Il fait... Oh. Attends mais ça met un champion de karaté. Il fait ses... Il fait ses Dan. Oh là 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 là, le Mundo qui part sur une Warmoy, on l'avait pas vu venir. Et le double d'Oran Shield avec le unique passive. Lui seul connaît la technique. Oh le flash in, attention l'ultimate de la part de Fiddle. Et ça tombe. 3 HP, 3 HP, mais ça suffit. Il le savait. Oh non, putain, ce Mundo c'est génie quoi. Qui pouvait deviner ça? Qui pouvait deviner ça? Cette game est incroyable. Dark Kevin, tu seras réinvité parce que tes games sont follement géniales. Ça fait longtemps que t'as vraiment, à part nous on fait des games où c'est pas drôle, il se passe tout le temps la même chose, il y a du snowball et tout. Là au moins, à tout moment, on peut pas savoir ce qui va se passer. Imprévisible, attention. Oh le bait au shroom. Oh là, Dark Kevin. Dark Kevin, fais-nous rêver. Ah, par contre là, ça s'est mal passé. Oh. Oh, dommage, Dark Kevin, non. Dark Kevin qui tombe in extremis, malheureusement. A pas grand chose, il avait très bien joué, mais il s'est approché un peu trop de la tour et du coup il s'est fait stun. Mais en vrai, c'était incroyable. J'en peux plus. Attendez, je vais tweeter. Alors, les amis, si vous n'avez pas l'extension Chrome et Firefox, bah prenez-la si vous voulez voir ces moments-là en live. C'est important, extension Chrome et Firefox dans la description. Et vous pourrez voir du coup le site qui est absolument incroyable. Donc, venez, non, vraiment, c'est sans déconner, vous allez, je pense que vous allez bien kiffer. Donc, passez et kiffer, j'ai envie de dire. SOS Bronze 5, incroyable. Incroyablement épique. Alors là, vraiment, c'est génial quoi. D'ailleurs, j'ai Snapchat maintenant. Donc, Skyheart, mon pseudo, live sur Snapchat. Donc, ajoutez-moi. C'est nouveau pour moi, mais j'aime bien. Voilà, Butthole qui avait les bonnes mécaniques, mais là-dessus, il commence à prendre des bons dégâts. Zonen qui va tomber. Et le Mundo. Le Mundo, le trap. Le trap, il le fait à nouveau. Incroyable. Incroyable. C'est... Mais c'est incroyable. Il a une précision inégalée sur les traps. C'est vraiment fou. Il y a vraiment un seul trap qui lui a résisté jusqu'à maintenant. Oh, dommage. La machette, malheureusement, ça passe pas à pas grand chose. C'est dommage. Et le Brand, ouais, 42 farms déjà, putain. Il a FK farm comme un porc, hein. C'est dingue. Il est chaud, hein. Et Godot. Godot, dis-nous tout. Godot, un petit don parce que ça faisait longtemps. En tout cas, cette game va être vraiment drôle, je pense. Oui, je confirme. Elle l'est même déjà. Il n'y a qu'on voir ça, je suis d'accord. On va se taper des grosses barres à feu. Bon. Mais c'est ça que j'adore dans les SOS Bronze 5, c'est que. Bah, en fait, c'est juste trop drôle. Parce que c'est pas, tu vois, c'est pas des mecs qui. Tu vois, genre, troller, tout le monde peut troller, tu vois, genre, oh lol lol. Mais là, c'est juste trop marrant, c'est que les mecs, ils jouent normal et ça donne juste des actions juste complètement what the fuck. Et c'est trop marrant, c'est trop cool. Parce que tu sais que les mecs, en plus derrière l'écran, ils travaillent comme des porcs. C'est-à-dire que le mec, là, il est en train de jouer sa vie de ouf et c'est ça qui est trop marrant. C'est trop cool, j'adore. Un Mundo, Mundo est un génie. En vrai, j'avoue, le Mundo, et il est incroyable. Hein. Oh là, il est dégueulasse, faire violer sa mère. Oh, il s'est fait enculer. Ah, il fait une Triforce. Ah non. D'accord, non, il fait le début de Triforce et il change de direction pour un run Hurricane. C'est le truc qui n'a rien à voir. Oh non, le kick, non, Dark Kevin. Le Brain sur le Shroom, il est silence. Tabasse-le. Oui. Dark Kevin, la victoire. Le Mundo. Où est-il? Le Mundo qui arrive, l'ultimate de Philostick sur Zonen, il n'est pas avorté, il draine à nouveau. Et notre Dark Kevin, oh là, quasiment le triple kill. Mais Dark Kevin, t'es un champion. Je t'aime. Dark Kevin qui fait vraiment le temps. Bon, pas comme Marc-Orban, ce serait pas terrible. Non. What the fuck. Il a failli mourir par un trap. Oh merde, ah, ça aurait été relou ça. Ça aurait été un moment gênant. Attention l'agression. À nouveau, round 2. Fight. Il peut le faire, il connaît son Xin, il connaît ses mécaniques. Les mécaniques de Xin Zhao qui ont été surentraînées. Il faut appuyer sur E et après enchaîner rapidement par le A. Et si vous êtes encore plus fort, vous pouvez même faire un reset avec timer. Mais ça, même rassurez-vous, même à Oelo, ils font pas tous. Donc c'est bon, c'est pas grave. Un E et bam le A direct. Enchaînez les gars. Ah, on nous cache. On nous dit qu'apparemment à la 14ème minute, il s'est passé quelque chose.
Alors on montera. On montrera le kill sur le Xin, sur le Xin à la 4ème minute avec plaisir. Ok. Attention. Oh le triple showroom. La technique interdite. Qui c'est qui a fait une salle de droite? Ah c'est Timo, d'accord, ok. Sans pression. Sans pression, d'accord. Donc là il a fait un trap. Il fait le trap ZZ Rot pour attirer les lances de champi. Mais qu'est-ce qu'il est malin. Qu'est-ce qu'il est malin. On voit plus le step. Ah ouais. Pourquoi? Ah je suis trop gros. D'accord. Pas grave, pas grave, je me décale. Oh là regardez. Mais il joue en équipe. Ça joue team. Avec la piquoire et tout. Putain c'est beau ça. Ça pense à piquoire c'est... Putain. Putain. Pas que c'est qu'à piquoire mais en tout cas c'est bien joué. Attention, le fidèle qui est grillé, il smite les corbins et tout, c'est bien. On est au point, allez Mundo. Oh Mundo. Mundo. Il a plus de respect pour le jeu. Le flash in. C'est abusé. Même. Même un full tank support Mundo, ça fait le taf. C'est n'importe quoi. Dark Kevin qui break, derrière les deux derniers se rescapés. Il met le trap pour le carapateur. Et il pull le dragon. Dragon de feu bientôt. Carapateur qui va être contesté hein, par Butthole. Butthole qui n'est pas prêt, ça grappe les tours. Allez le père Vasselot. Oh là là il esquive. War trick peut-être. Oh le war trick assez rapidement exécuté quand même, c'était pas dégueulasse. Le grab de la tour, oh, putain on a les mécaniques. On a les mécaniques côté Nautilus, il connaît les bails. Et il est parti sur un AP, AP, AP Nautilus, AP, AP, AP Nautilus. L'ultimate peut-être, non il l'a pas, il l'a paniqué, il a oublié le combo. Putain le headbutt ou ultra, c'était raté. Beaucoup d'entraînement mais ça n'a pas porté ses fruits. Il lui manquait une ou deux frames. Sur le Q-spell qui passe pas. Mundo, Mundo non. Mundo qui tombe. Oh putain il a été attiré par un des traps. Il devait avoir un trap quelque part. Attention Dark Kevin. Dark Kevin en tourmente. Dark Kevin qui va peut-être tomber. Dark Kevin qui était éteint autant que possible mais il va tomber. Malheureusement il va succomber. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est une moindre. Oh 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 oh. Oh mon dieu. Miss Fortune Ultimate. Qu'est-ce que tu fais? Oh là, elle l'a pas, elle l'a pas, elle l'a pas. Mais à coup de pas, elle l'a pas. Zonen qui veut tenter le duel mais ça ne passera évidemment pas du tout. On a vu qu'il se fait dérouler dessus toute la game donc. Et il se fait péter la gueule à nouveau. Round triple kill. Ah oui, Danseur Fantôme. Il était à 3-6, maintenant il est à 6-6. Et oui, je sais compter. Le flash fear pour empêcher Casimir de press air. Est-ce que Casimir a son air? Oui, Casimir a son air, il aurait pu fry. Mais il manquait le Globi Bulga. C'est quoi la vis de Casimir déjà? What the fuck? Casimir. On va faire battre sur YouTube au calme. Casimir chanson, premier truc qui sort. C'est quoi? Non, ah, ah oui, des rires et des gens. Ah c'est ça, putain. Oh mon dieu. D'accord. C'est dommage. Oh, et le Xin qui vit son premier item. Quel brain. Mais putain, il mystifie tout le monde. Les gens pensent qu'il part sur une trinité. Au début, ils pensent qu'il part sur une... Au début, on pense qu'il part sur Azadik. Et non, il enchaîne sur une trinité. Et quand on pense qu'il part sur une trinité, bam, il part sur des Mercury. Et quand il part sur des Mercury, bam, il enchaîne sur du coup des une BRK. Et donc là, il finit quand même sa BRK. Ah là, il a pas pu tenir jusqu'au bout. Et là, on a vu le stuff hein, de la part de la MF. La MF qui a fait d'énormes dégâts. Attention, but all. Butthole qui ne fait plus le poids, vous l'aviez donné gagnant, vous avez dit ouais il a les mécaniques et tout, il va pouvoir le faire. Et non, Lucine AD en bronze 5, ça ne paye pas malheureusement apparemment. L'ultimate, enfin les bons dégâts et Francesco, pareil, pas très tanky, il va se faire rouler sur la gueule. Et Gonzalo, le rebond, Casimir, il est venu le temps derrière des gens. Et on va tomber malheureusement. Il est venu le temps derrière des champs, ah derrière des champs, d'accord. Ah des champs, oui, le footballeur, le mec ne comprend rien du tout. C'est bon, on essaie, on essaie. Et même dégomme pas trop, j'avoue, et même elle rigole pas trop. Hein. Attention, Platonius, le trap peut-être. Oui. Il le fait à nouveau. Toujours présent. Une précision inégalée, on l'avait dit. On l'avait call, c'est ça spécial. Pense à Dark Kevin, hein. Il le sait, le seul, l'unique. Le trap dans les bushs. Il est là, il est présent. Il est prêt à tout. Il link le shroom par le second shroom. Et il est parti sur de l'attaque speed, une petite PRK les familles. Et il est patient. Il faut savoir s'armer de patience. Ah, il s'est douté, la stratégie de l'adversaire. Et il court assez vite, il veut récupérer Zonel.
Ça touche. Attention. La Platonius. La Mundo. Oh, il flash dans le trap. Même quand il repère pas les traps, il devine où elles sont. 62 kills. Attention, le trap à nouveau. Oui. Toujours présent. Les traps qui servent en tout cas, qui sont vraiment maxés. Pensez à partir AP hein, si vos traps touchent autant. Hein. ça peut marcher. Metal Gear, Timo. On est parti. Allez, l'Holicide. Et le kick, évidemment, pour sortir le joueur du Z de Brand. Et bien joué. Et du coup, le dégage également pour le sortir également du grab de Nautilus. Et là, c'est fini. Mundo, pas le trap malheureusement ici hein, pour le gêner l'ultimate. Casimir. Boum. Coup de tête. Ça dégage. Platonius, hein, toujours aussi chaud. Aux aguets, j'ai envie de dire. Attention, du spirit visage. Il peut le faire. Oh, il fait le tour. Ah, il est rusé. Oh, le flash brain pour vraiment mystifier son adversaire. Il ne sait plus où il est. On ne s'y attendait pas. Et là-dessus, peut-être le coup près au corps à corps. Bien joué, Prupusio. Attention, le trap. Oh mon dieu, là c'est quand même une insulte pour Platonius. Va-t-il pouvoir l'esquiver? Non. Un trap. Prends-le. Non, il est mort avant. Oh non, il est mort avant d'avoir pris les deux traps. Oh, je suis déçu. Là, j'imaginais déjà l'ultimate de Mundo et il allait bifurquer vers la gauche, attiré non sans peine par ce petit trap. L'ultimate, et oui, il revient dedans. Oh là, il passe derrière. Ça n'est pas quelque chose qu'on fait si la demoiselle n'est pas d'accord. Donc attention. Et il va tomber, malheureusement, avec sa Miss Fortune, c'est compliqué. Le kick. Linké. Oh là, le grab. Mais ça enchaîne beaucoup trop mécaniques. C'était incroyable. On pose des petites traps. Bien joué. Et là-dessus, on va tomber. C'est la fin pour Xizao. Il ne survivra pas. Oh, fidèle. Ah, il a pas d'ulti. Ça a grossi. Oh, Riley Landry côté Brand. Du coup, c'est pas sûr à 100% que les griffes des bleus gagnent. Après, je pense que si, parce qu'ils sont tanky. Et en général, la tankiness paye. Vous le savez. Oh, et il le savait. Dark Kevin du 27, qui avait 27 HP, je crois. Regardons. Est-ce que ce serait pas le call, justement? Combien d'HP? Ce serait quand même fou s'il avait 27 HP. Pause. 13 HP. 19. 26. Oh non. Oh putain, tu nous fais honte. Ouais. Ah, c'est plus comme avant. Hein. Ah, c'est plus comme avant. Dommage. T'as changé Dark Kevin, t'as changé. Oh, très été récupéré, putain. Mais le Xin, qui là se fait très très bien. Un Xin, on a vu qu'il n'avait pas forcément les mécaniques, mais il a le perso pour. Oh, le Fear Train. Et Francesco qui ne survivra pas, le souvient peut-être. Va-t-il y penser? Et non, il est malheureusement il souffre malheureusement d'un stun. Regardez sa agressivité. Incroyable ce Xin Zhao, qui en surprendra plus d'un. Et bon, on récupère le kill, ultimate. Zonen qui va se faire défoncer la gueule par Mundo. Le trap, et oui, il le fait. Platonius qui nous surprendra toujours autant. Toujours égal à lui-même. Il est chaud sur les petits traps. On accélère évidemment. L'ultimate pour désengager. Le grab sur le mur. On est prêt, on connaît les bails. L'ultimate, il ne suffira pas pour tuer Francesco Africano. Le grab, Gonzalo. Le fear, le kick à travers. Bien joué, on joue au bowling, mais c'est très très efficace. Pendant ce temps-là, on push peut-être le flash grab. Il ne survivra pas. Malheureusement, il s'incline. Lui, il part un peu tanky maintenant. Oh là, le trap. Oh là là, mais quel génie. Oh, mais quel talent. Il bait les gens au ZZ Rot. Par contre, là, il est un peu tanky là. Hein. Il doit avoir un petit peu de tankiness. Même pas. On est sur un écho classique. Et non, il a dû avorter la mission. Abort mission. Son bait Zed Rod qui était judicieux mais qui malheureusement n'a pas pu payer ici. Fiddlestick, il a son ultimate. Ulti bientôt 16 d'ailleurs. Accélérons. Oh. Press air. Air to win. Oh, les rebonds. Les ricochets. Faire des ricochets. Bien joué. Double kill du Brand. Et son stuff qui paye. Hein. The Lane qui va se faire découper par cette Miss Fortune qui lui fait tellement mal. Le flash in pour le récupérer. Mundo. Qui va? Non! Qui va prendre le grab? Qui va prendre le trap? Et oui, c'était sûr, on le savait. Hein. Attention, il fait toucher Francesco. On a les relais du Riken, on attaque tout le monde en même temps.
le poison et notre Kevin quadruple kill. Pata 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 30 secondes, non c'est pas possible. Oh et là ça a pêché évidemment, là c'est le début de la fin. La tankiness du Mundo qui a fait la différence. Ils ont tout mis sur Mundo. Et non, faut pas faire ça les copains. Faut pas mettre tout mettre sur le Mundo. Mundo support tank. C'est le Brain. Oh là, il récupère un nouveau kick. Et un joli kick de la part de Lee Sin. Mais il n'est pas tanky, personne ne peut arrêter ce Mundo. On Brain un petit peu et pop dans les shrooms. Il définit un trap. Les bons dégâts, le burst, le Tidus qui prend cher. Mundo qui Brain un petit peu, Mundo qui est très énervé. Hein. Mundo qui est très énervé, on a raté le kill de Dark Kevin. Putain, fuck. Ok, le Mundo qui est redoutable. Red Shiva. Red Shiva qui va s'inquiéter malheureusement. Pendant ce temps, les Mundo qui pète les tours. Il n'en a rien à foutre, personne ne peut l'arrêter. Et ça push, et ça ping. Et ça TP. Le sticky Biki like. Dark Kevin. En expliqué. Bon, ça va être un peu dur. Expliqué, t'as même plus fort, mais Do it. Do it, Dark Kevin. Et là, il quand même, s'est quand même dit, bon, il manque un petit peu de dégâts. Ah, il a pensé à la gloire du juste, à la Dead Man's Plate pour être un Teemo tanky DPS. Et mine de rien, c'est pas dégueulasse. En vrai, je pense que c'est pas dégueu. Il a 3K HP, il est impossible à buter. Il va mettre des auto-attaques. Là, il manquait peut-être une BRK peut-être à la place de Frozen Earth, Frozen Mallet, parce que bon, peut-être que c'est pas fou. Mais en vrai, mine de rien, là, il part maintenant avec un petit Sterak des familles, histoire d'être tanky Teemo et le Teemo tank. Qui va payer 90 kills déjà, 92 kills même. On arrivera. Est-ce qu'on arrivera au 100 kills à votre avis? C'est probable, c'est très probable. Bon, Surrender, vont-ils finir la game en un seul push? Le Dashar qui est engagé. Pendant ce temps-là, le Teemo tank avec le Mundo tank sont là. Le Teemo tank va frapper. Dark Kevin qui se met au milieu de la mêlée. Il n'a pas peur, il est parti sur un bull. Tanky, il va quand même finir par mourir évidemment. Mais. A quel prix? A quel prix important presque toute la composition adverse. Sonnez attention, le duel, le trap qui est posé. Oh, il s'attouche encore une fois, bien joué. Notre Mundo qui n'a encore, qui a 97% de réussite hein, sur les traps. Oh mon dieu, le flash ulti, et il va malheureusement mourir. Il aurait pu faire mieux là, peut-être, il le sait. Mais non, c'est pas fini, parce qu'évidemment, il va faire sur le clic droit. Et le clic droit qui paye à nouveau. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il est chaud. Il a oublié sa BRK, mais il le sait. Sa maîtrise du clic droit et du clic gauche de temps en temps pour des fois activer les sorts. Mais non, il est en smartcast, donc t'en as pas besoin. Bien joué ça, notre Xin qui paye là-dessus. Cette méta qui lui est propice, hein. Il le sait. Il en profite pour monter en elo, hein. Déjà bronze 4. Ça monte très très vite, hein. Ce n'est que le début. D'accord, d'accord. Oh, l'ultimate pour Brain un petit peu. Bon, toi, le Lee Sin qui a one shot. Oh! Oh, ça c'est beau jeu. Franco Africano, on va y voir ce qu'a fait du coup Lee Sin. Le Q-spell qui est niqué, bam. On link le, on a encore le kick, on kick le Mundo. Bon ça c'est pas forcément, c'est par défaut. Les tanks qui font le taf, même en 5, personne ne peut les arrêter. L'ultimate, mais regardez, il tank. Non ça va, il tank pas trop, ça va. En fait non j'avoue, en fait il prend masse dégâts, c'est insane. Oh le Brain, malheureusement. On est contre un personnage un peu tanky donc c'est délicat. Et Mundo qui remporte le 2v1. Il veut même partir sur un 2v3, enfin 1v3 pardon, et il va finir par tomber. Oh, la Thornmail. Non, c'est la Sunfire, autant avec son derrière et les autos. Et ben regardez Dark Kevin, le sneaky Biki, il a sur le backdoor 101 kills, 109 kills même. Et l'inhibiteur qui tombe, Dark Kevin qui était là, il sait que pour gagner la game il faut pusher. Et c'était judicieux, c'est ce qu'il fallait faire. On accélère, ça sent évidemment le début de la fin. On est sous pression. Ce Echo qui peut one shot. Ce Fidel qui n'a pas d'RM manque de résistance, très clairement. Il nous manquait 200 d'armor. 200 d'RM également. On accélère. C'est chaud. Ça brûle. Oh la MF. Le dash, attention, le bon focus de la part de Echo qui a attaqué la bonne personne avec son debuff de RM. Malheureusement ça suffira pas. L'ultimate de Nautilus, il y va régler la nécro. Mais il se fait slow par Dark Kevin, même quand Dark Kevin n'est pas là, il frappe encore. Le grab peut-être.
pense, hein. Vous avez vu la base? Les Winions! Oh my god! The Winions! Et le Mundo en 1v4 qui fait le kill et qui s'en sort vivant! La méta tanky qui nous fait plaisir, évidemment, encore une fois, c'est dingue! Vraiment, les. Il est important de faire les dégâts, de partir sur vraiment beaucoup de dégâts pour faire les dégâts, sinon vous ne ferez pas de damage, MDR, pas du tout! Et l'ultimate de Brand qui ne suffira pas à arrêter ces tanks! Ces tanks qui sont incroyables, à part Miss Fortune, évidemment! Et c'est la victoire des minions avec le Dark Kevin! Attention, Dark Kevin, peut-être sur le TP! Le XPK! Allez, 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 il est là! Et il a fait le Z-Rot à la base pour attaquer la base depuis une position sécure. Et c'est le TP! XPK style! XPK! Ex-Kevin! Ex-Kevin qui va payer évidemment. C'est le XPK style. Bien joué, Dark Kevin qui l'emporte. Négociateur de speed push depuis 1892. Et également expert du Sneaky Biki. Son Team Tank. Alors Team Tank, bon, dans cette méta tanky, honnêtement, je pense que c'est plutôt bien. Hein. Là, on a vu, hein, les... on a vu le Xin, il peut. Le Xin qui n'avait pas vraiment les mécaniques. Hein. Je pense que l'Echo était plus fort mécaniquement. Mais vous avez vu, un Xin Tank gagne contre un Echo DPS. Et oui, il faut partir tanky si vous voulez gagner dans cette méta. C'est ce qui paye. On a vu le Mundo Full Tank qui fait du 1v4 littéralement et en tue 2 sans pression. Et le Zizirot. Le Zizirot, 114 kills, il est bien joué. Et c'est le XP Kevin. Qui vient de payer XP Kevin de folie. Vous nous direz en tout cas qui vous pensez le M. En tout cas MVP, n'hésitez pas à prendre l'extension Chrome et Firefox dans la description de la vidéo. En tout cas passez sur scap.fr et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, puisqu'il y a une Xbox à gagner, il y a même deux Xbox à gagner. Donc voilà, abonnez-vous, c'est important. Merci de vous avoir suivi, j'espère que vous avez kiffé. C'était Skyheart pour une vidéo à nouveau de SOS. Bon, ça, il y en a plein d'autres, n'hésitez pas à checker aussi les best-of qu'on fait, les best-of qui durent à peu près 7 minutes, qui sont vraiment excellents. Ben voilà, je vais pas me vendre, mais voilà, c'est pas trop mal honnêtement. Donc voilà, plein de bisous tout le monde, ciao ciao, peace.